Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on y va, c'est parti! Alors, comme vous le savez, on est sur le portail énergétique du 7-7, donc du 7 juillet. On va voir flamme jumelle, âme sœur, lien d'amour. On va voir tout ce que je peux partager avec vous pour le portail du 7-7. Allez, la personne de votre cœur à gauche, au milieu le lien et vous à droite. Alors, âme sœur, flamme jumelle, lien d'amour, c'est du général, vous faites bien preuve de discernement. Tous les messages ne pourront pas vous parler, mais c'est normal. Je tenais à vous remercier pour toute votre présence, toute votre participation, peu importe quelle qu'elle soit sur la chaîne. Merci, 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 merci. Alors, ici, je vois, alors, dans 7-7, pour un homme, pour moi. Alors, je vois la personne de votre cœur, ça peut être un homme, mais ça peut être une femme aussi. Ici, je peux avoir une libération. Cette personne va se libérer d'un poids, d'une situation ou d'une personne. Sur le lien, je vois vous pouvez être balance, scorpion, sagittaire, vous ou la personne de votre cœur. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce signe astrologique-là, vous laissez, c'est du général, mais par contre, voilà, vous pouvez prendre aussi le message s'il vous parle. Je vois que le lien est en pleine désintoxication. D'accord? Jusqu'à l'automne, il y a de la désintoxification sur votre lien. Tout le lien va être désintoxifié. De situations, d'événements, ça peut être de tout ce qui peut être toxique, négatif pour ce lien, pour vous, pour cette personne, pour vous, voilà. Ici. Alors, cette personne, il y a une libération aussi. Je vois cette personne vous faire une déclaration dans ce 7-7. Déclaration d'amour, mot d'amour, qui arrive vers vous. Sur le lien, on vous confirme bien que vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles, un lien sacré. Vous, alors vous, vous êtes tranquille, relax. Vous, vous avez un amour éternel infini pour la personne de votre cœur. Vous êtes dans une attirance d'âme à âme. Mais là, votre flamme intérieure étincelante est là, autant l'un que pour l'autre. Mais pour moi, vous la bloquez. Vous le dites pas, mais vous êtes dans une attirance d'âme à âme. Et de pas vous le dire, en fait, ça fait que ça évolue pas entre vous. Votre lien n'évolue pas. Et ça, voilà, il y a des discussions qui sont extrêmement bloquées. Vous vous dites pas enfin, vous vous dites pas. Vous déclarez pas votre amour à l'un ni à l'autre. Mais là, il y a des mots, mais il y a une transformation de la situation. C'est l'hiver entre vous, mais il y a une transformation de la situation dès ce 7-7. D'accord? La personne de votre cœur se libère, se libère. Ça peut être juste un point intérieur de vous déclarer son amour, mais ça peut aller aussi sur une libération d'un ou plusieurs domaines de vie. Ça peut être aussi une situation, une personne, peu importe quelle qu'elle soit. Vous avez trouvé, la personne de votre cœur a trouvé son union sacrée, tout ce qu'on désire au plus profond de soi. On a trouvé sa moitié aussi. D'accord? Là, il va y avoir un blocage des fausses relations, des trahisons sur le lien. Tout ce qui est. C'est toxique, hein. Les fausses relations, les trahisons, tout ce qui est toxique, ça va s'arrêter. Sur le lien. Et vous, vous ressentez encore plus fort cette attirance d'âme à âme de cette personne. Ça s'intensifie pour moi. Allez, je partage ici. Alors, le message écrit. Alors, on me parle d'un lien entre deux personnes. Je vois des retrouvailles possibles dès le 7-7. On me parle de retrouvailles. Pour finir de guérir ensemble, d'accord? Vous allez finir, il y a des retrouvailles dès ce 7-7 pour que vous puissiez finir de guérir ensemble, même si vous n'êtes pas totalement guéri, parce qu'on ne l'est jamais, mais faut pas avoir peur en fait, ça ne veut pas dire que vous vous retrouvez, que vous ne guérirez plus. Vous continuerez à guérir ensemble, d'accord?
joie des discussions. Ça vous empêche pas de, voilà, de, d'ouvrir des discussions, de vous retrouver par les discussions, par les échanges. Par ces discussions, ça va permettre aussi de réaliser des choses, tout ce dont vous désirez, de guérir aussi, peut-être des choses encore non guéries, de pouvoir guérir, mais aussi réaliser tous les rêves que vous avez ensemble. Et c'est vraiment en vous retrouvant que vous allez pouvoir réaliser tout cela. Pour moi, vous allez sentir cette accélération, d'accord? Et de suivre. Si vous la sentez, vous la ressentez, il faut la suivre, cette accélération. Suivez l'accélération. Je vois que vous êtes extrêmement protégé. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À bientôt!